avec notre PC One, je me suis trouvé une maman. C'était une maman. Et maintenant, selon son histoire, le dernier enfant, elle a 8 ans. Après la dernière naissance, 3 ans après, son mari, il est décédé. Soit disant que ce sont des gris-gris qu'on a fait pour détenir des conflits familiaux. Oui. Il s'est basé sur ça. Mais 3 ans après, la dame aussi a commencé à souffrir. Uh-huh. On l'a amené la dame dans une chambre de prière. Uh-huh. Là on prie pour les gens, soit disant que ce sont des démons. On a prié, on a pu trouver une solution. Bon, ils ont commencé maintenant à faire la médecine moderne. Et cette année, on a fait la donne de dépistage. La dame, elle est déjà séropositive. Ah. Elle a commencé à prendre les ARV. Elle était hospitalisée ah. à l'hôpital ici, à Calette. Ah. Pendant 3 mois. Mm-hmm. 3 litres. Il n'y avait pas l'échangement, malgré la présence des ARV. Donc les CD4 c'était déjà trop abaissé. 50. Mm-hmm. Donc la dame ne se retrouve pas. Les gens attendaient la mort de la dame jour et nuit. Là on s'est dit qu'à l'hôpital, ici il y a beaucoup de malades. Prenez votre malade et les comprimés. À la maison. Vas-y à la maison. On a placé la sonde. Mm-hmm. Physical. Oui. Et puis on a dit qu'allez avec vos malades à la maison. Comme elle ne mangeait pas, comme ça, on a placé la sonde dans ça. Ils sont venus avec la maman ici à Kamenge. On m'a raconté, j'ai dit que j'ai quelque chose qu'on peut essayer avec. Uh-huh. Parce que pour prendre les arbres, c'était difficile. On leur donnait même les sirops. Uh-huh. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avaler le comprimé. Uh-huh. Ouais. J'ai quelque chose qu'on peut aller avec. Uh-huh. Oui, s'il y a quelque chose, amène-nous. Je dis, voilà, je vous les amène. Il y avait maintenant la présence aussi de la tuberculose. Oui. On s'est arrivé. On s'est confiné avec Alain. Et puis, nous avons délivré les 2 médicaments à la fois. Ah. PC. Une. Et PC tuberculose. PC 300T. Maintenant, la dame, elle a commencé à prendre ça. Ah. Comme c'était l'eau. Mmh. C'était facile. C'était facile. Ouais. Comme c'était l'eau et c'est une petite cuillère, ah. on le fait ouvrir la bouche par force. Ah. Et puis, on introduit cela. Ah. Après une semaine, la maman il s'est bougé. Elle a commencé à bouger, elle a commencé maintenant à se détourner elle-même. Mais elle n'avait pas la force de se lever. Ah. Mais elle peut changer la position comme ça. Ah. Et puis elle se tourne. Les problèmes étaient les escarres. Je lui ai dit que achète-moi le détol, j'ai fait la solution. Chaque matin, je vous passe ici pour traiter, désinfecter avec le détol. Voilà. Ah. Après 2 semaines, je lui ai dit que on enlève maintenant. La maman commence à faire. Elle a commencé. Mais elle ne parlait pas. Hein? Elle commence à faire. Ça veut dire? Donc, elle demande quelque chose. Qu'est-ce qu'elle demandait? À manger. À manger? J'ai dit qu'on va maintenant. On va maintenant lever les sondes. Ah. J'ai levé la sonde dans son uh-huh. J'ai laissé la sonde urinaire. Ah. Maintenant, on a commencé à prendre du bruit. Il y a du bruit qu'on donne aux gens dissidents. Mm. Très nutritif. On commence à donner. Mais, après un mois, la maman, elle a commencé à parler.
Et puis, si on la lève, elle commence à s'asseoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré la sonde vésicale. Après avoir retiré la sonde vésicale, la maman disait que je vais faire les besoins. On le transporte vers un pot et il fait ça. Et maintenant, après 3 mois maintenant de traitement, ouais. La maman, c'est ça, à partir d'ici jusqu'à là, la bonne santé. Hein? Mais les membres inférieurs, les pieds, les jambes, comme ça, trop sans mouvement, c'est resté comme décalé. Mais jusqu'à présent, la maman elle-même, elle quitte de Kamenge jusqu'à Nyakabiga avec son vélo des handicapés. Lui-même. Elle commence maintenant à bouger. Elle a déjà la force. Oui. Elle a déjà la force. Elle fait des petits commerces. Mais elle continue avec la question.